Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast consacrée au tricot et un petit peu au crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors je suis vraiment désolée, la luminosité est encore un peu archi pourrie. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut non-stop. Nous avons une légère éclaircie et j'en profite, mais le soleil n'est pas là, c'est compliqué d'avoir une bonne lumière. C'est pas grave. Bienvenue à tous et à toutes dans cet nouvel épisode. Je ne me suis pas présentée, je suis Laetitia alias Mum les Anges Tricotes et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Ravelry où je suis la plus active. D'ailleurs, sur Instagram, nous avons un cal autour de l'étole Un Noël à New York. On est une petite centaine, ça fait très plaisir de pouvoir discuter et suivre les avancées de chacune. Je ne pense pas qu'il y ait d'hommes parmi nous. Et sur Ravelry, j'ai réouvert et remis au goût du jour, on va dire, mon groupe de discussion avec le cal autour des chaussettes Dart Socks. Les chaussettes qui étaient le patron d'accessoires dans la box de Noël de Ludivine Arcoiris Yarn. Et l'étole, c'était dans le calendrier de l'Avent de Pauline Bulbe Bizarre. Voilà. Je suis joie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le 27 février, nous sommes mardi 27 février, le matin. J'ai réussi à retourner un matin et ça me fait plaisir. Et puis voilà, allons-y. Je vous ai vu la semaine dernière avec... en vous disant que je n'avais pas d'objectif, j'ai quand même réalisé des petits objectifs personnels, mais je vous en parle juste après. Avant ça, je vais vous dire ce que nous portons, Marie-Louise, Napoléon et moi-même. Napoléon aujourd'hui avait un peu chaud, donc il a décidé de porter Mademoiselle Kate. C'est la deuxième version, celle-ci c'est une version tricotée en crème que soul, la Morning Salutation que j'ai achetée chez Céline sur un fil d'Orsay. Je vous ai mis la version avec le col V et la dentelle devant, le jersey dans le dos ou devant n'ayant aucun intérêt pour ce modèle en présentation. Je vous ai mis la jolie dentelle sur le devant. C'est un coloris un peu kaki, il est assez sympa. Je ne le porte pas aujourd'hui, je n'aurai pas assez chaud, quoique sous un gilet en laine ça pourrait passer. J'essayerai la prochaine fois. Que dire sur ce modèle? C'est un modèle button-up que j'ai tricoté une première fois en Life in the Long Race, la base Fin Socks. Mais j'avais fait une taille vraiment trop grande pour moi. Et je me dis que je la retricoterai bien cette fois-ci en peut-être en tencel ou en tout cas encore une fois avec une laine qui a de légers speckles parce que en uni c'est bien joli, c'est très sympa, mais c'est vrai que l'esprit avec les speckles que j'avais de ma première version me manque un petit peu, donc j'aurai une version uni comme ceci et une version à speckle, donc je réfléchis un petit peu à ce que je vais utiliser. Je pencherai quand même pour une mérino tencel pour la fluidité, mais c'est encore à réfléchir. Marie-Louise, quant à elle, porte le cathédral sweater, le pull cathédral. Le pull cathédral, c'est la version pull des chaussettes qui vous avait énormément plu avec ce motif et des côtes qui venaient s'ouvrir sur ce motif. J'ai décidé d'en faire un yoke en dentelle. Assez profond le yoke, mais quand même très discret et très, très féminin. Il est ce joli petit pull est tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn dans sa base Dr. Wool et c'est le coloris Princesse Kaguya. Pour la taille, alors pareil, là j'ai fait une très forte aisance pour moi par rapport à d'habitude. D'habitude, je porte mes pulls avec très très peu d'aisance, du 0 voire du plus 2.
ça m'arrive même des fois de descendre jusqu'à moins 2 par rapport à mon tour de poitrine, parce que mon tour de poitrine est plus fort que mon tour de taille et mon tour de hanche. Donc du coup, en fait, ça moule un peu au niveau de la poitrine, mais pour le reste, j'ai souvent plus d'aisance, entre 5 et 7 cm d'aisance facilement. Donc du coup, bah, moi, je prends vraiment à mon niveau à la surpoitrine, parce que ma morphologie fait que j'ai une taille qui est quand même beaucoup plus fine. Et malgré mes rondeurs, c'est comme ça, ça marche comme ça. Il me faut des pulls près du corps pour que ça ne fasse pas sac tout de suite sur moi, sur ma morphologie. J'ai décidé pour ce joli pull de faire des manches ballon. Donc on voit vraiment bien qu'elles s'évasent. Ouais, ben en fait non, vous voyez rien du tout, ça sera mieux comme ça. On voit bien que le poignet de côte est beaucoup plus étroit, on fait des diminutions très drastiques sur la fin, ce qui lui donne encore une fois un côté très 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 féminin avec un joli tombé. Le yoke est assez profond, la descente d'emmanchure est assez basse, un peu comme sur le Fairy Winter, ce qui fait que pour le corps, on tricote qu'une trentaine de centimètres. Je crois que j'ai tricoté 28 de corps et 5 de côte, ce qui me fait un pull à 33 cm, et il tombe parfaitement sur moi, qui porte d'habitude des pulls à 41 cm. Donc, c'est assez cool, il va vite. Alors le yoke est un peu long à tricoter, mais une fois qu'on a terminé le yoke, ça va très très vite de faire la suite. Cette petite mèche m'embête un petit peu. Quant à moi, je porte, alors je ne sais toujours pas comment ça, si je sais, mais je n'ai pas retenu, la shawl, je ne sais plus. J'essaierai de vous le mettre en barre d'information, comme tout ce que nous portons et ce dont je vais vous parler juste après. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est crocheté, c'est Véronique qui me l'a offert pour mon anniversaire, et elle avait choisi la Mary Kid de Teinturlurée dans le coloris pétale, et j'adore vraiment ce coloris, il est vraiment trop trop beau. Et je me dis que me faire un châle tricoté dans cette laine, ça pourrait être pas mal. Quant à moi, je porte le gilet givre dans la deuxième version, cette fois-ci en laine. Ma première version, c'était des manches trois quarts. Il était tricoté dans la même base que le Mademoiselle Kate, la Morning Salutation de Crème que Soul, dans le coloris. Je ne sais plus, je croyais que c'était givre, mais pas du tout. C'est un joli coloris bleu glacier. Et c'était une version crop et avec des manches trois quarts. Cette fois-ci, c'est de la laine, c'est de la 100% mérino, donc la base abri de chez La Pelote Vagabonde. Et c'est le coloris... Voilà, voilà, voilà. J'ai un doute. Rosé des Prés, je crois. C'est le coloris rosé des prés. Donc ça se caractérise par cette jolie dentelle en bas de manche. Et vous la retrouvez ici en col châle. Tac, tac, tac. Hop, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Voilà, en col châle. Hop, c'est un gilet qui ne se ferme pas, qui se porte ouvert. Et c'est bien pratique parce que... un coup il fait chaud, un coup il fait froid, et donc du coup, ben hop, on enfile et on enlève, et c'est hyper pratique. Donc voilà pour ce que nous portons, un joli petit gilet ouvert, un joli petit châle offert par mon amie Véronique, et je ne le quitte pas en ce moment. Et puis le projet terminé de la semaine dernière, et le projet qui vous avait énormément plu l'été dernier. Je reviens vous voir avec des encours terminés, des nouveaux encours sur mes aiguilles. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas avancé sur l'ensemble de mes encours. J'ai laissé de côté les trois couvertures, les deux au crochet et la couverture à Noël à New York pour cette semaine, tout simplement pour me consacrer les uns derrière les autres à certains projets que je voulais absolument avancer. Je vais faire un encart, je vais faire comme ça, je vais faire une rotation sur des projets. Non, mademoiselle, enlève ta patte,
Enlève ta patte. Regardez-moi cette petite chipie là. Voilà, Mademoiselle Bella pas contente, qui monte sur mes objets terminés et qui va me griffer la laine, cette chipie. Oui, parce qu'en ce moment, elle dort sur la laine, elle pelote sur la laine et elle m'a tué un pull. Donc, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle remonte sur mes tricots. Bref, ce n'est pas grave, c'est un animal, elle n'a pas conscience de sa bêtise, mais elle m'a un tantinet agacée. Oui, je disais, je vais faire une rotation avec certains projets que je voudrais avancer plus ou moins en fonction des semaines. Donc, je ferai un dernier encart avec les projets et les ambitions sur ces projets-là pour la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez un petit peu un spoil pour la semaine prochaine et vous pourrez voir les avancées, si j'ai réellement avancé dessus ou pas, si j'ai pas changé d'avis entre-temps, si je n'ai pas monté de nouveaux projets entre-temps, parce que tout est possible avec moi, vous en avez l'habitude. Alors, le premier objet terminé, et je pense que vous vous en doutez, c'est tricoter avec cette petite merveille. Cette petite merveille, c'est de la Merino Tencel de teinture lurée dans le coloris Dark Le Labi. La Merino Tencel, vous avez 333 mètres pour 100 grammes, c'est une laine sport que j'ai décidé de tricoter comme une fingering pour une paire de chaussettes. Donc, je vous avais montré la première chaussette terminée. D'ailleurs, elles sont sorties ce week-end sur Ravelry et sur ma boutique. Donc, vous les avez vues. Et j'ai terminé la deuxième. Et voilà, les petites merveilles sont terminées. Je suis bien contente d'avoir ma paire finie. J'avoue que c'était vraiment dû aux microbes que je n'ai pas eu le temps de finir ma paire de chaussettes avant la sortie. Mais je me suis dit que hop, on se motivait. Donc bah, samedi, j'ai pris ma deuxième chaussette. Bah, alors j'avais fait le talon, j'avais passé le talonné. J'avais passé le talonné et je n'avais pas encore relevé. Donc c'était samedi soir, je sais plus, un soir, j'ai repris ma chaussette en me disant je vais faire un motif par jour, puis la pointe. Et puis le soir j'ai repris, j'ai relevé, et puis au final j'ai fait un motif, j'ai fait deux motifs et j'ai fait un début de troisième motif. Donc j'en étais arrivée là. Et le lendemain matin, j'ai dit non, c'est pas possible. Si je recommence à me dire je finis le motif, puis je fais le deuxième le lendemain, puis la pointe après, ça va encore prendre des années. J'ai dit je ne tricote rien d'autre tant que je n'ai pas fini ma paire de chaussettes. Et donc, bah, j'ai terminé la paire de chaussettes. C'est chose faite. Et voilà les petites merveilles. Donc, elles se caractérisent par... On monte les mailles par les côtes. On tricote les côtes qui sont... un petit peu, elles suivent le motif en fait, elles suivent le motif, là bah, on refait la même chose, sur le devant, ça sera plus simple, ne tombe pas s'il te plaît, sur le devant c'est pareil, elles suivent le motif, et ensuite bah, il y a un certain nombre de motifs en fonction de la hauteur de tige que vous voulez, un talon à maille glissée, un talon à maille glissée, un talonné, et ensuite on vient faire le gousset sous le pied. Et ça lui donne une petite forme assez rigolote quand on les met à plat comme ça. Ensuite, eh bien, on vient faire un certain nombre de répétitions de motifs en fonction de la longueur de pied. Et ensuite, on fait une pointe. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire une pointe vraiment très très allongée, très très ronde. Vous pouvez voir là, vraiment très très ronde. Et c'est assez sympa, ça change un petit peu, c'est pas la même méthode que d'habitude, mais c'est assez sympa, j'adore le coloris. Il est tout en subtilité, tout en nuance, c'est vraiment très très joli. Donc c'est le coloris Dark Le Labi sur la base, donc Merino Tencel de teinture lurée. Voilà pour ces petites merveilles. Donc je suis contente. Un projet en moins sur les aiguilles, enfin un whips de l'année dernière terminé.
au moins ça enchaîne et on n'en parle plus. Alors j'ai un problème, j'ai un problème. Je mets le trépied sur la table basse d'habitude et je pose mes objets en cours, mes sacs à projets, etc. sur la table basse à côté de moi. Et bébé Lilian a décidé de venir mettre son train, enfin les rails de son train sur la table basse. Je vous explique même pas comment vous êtes installé et je sais même pas comment je vais réussir à tout poser. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'était assez rigolo. Le deuxième objet terminé, c'est le pull céleste. Oui, je suis contente, il est terminé, lavé, bloqué et tout froissé. Superbe, magnifique. Le pull céleste, alors déjà je vais vous dire en quoi je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté donc encore une fois en mérino tencel. Mais cette fois-ci de chez Garance et compagnie, c'est la base Joséphine chez Karine. Le coloris c'est poussière d'étoile, mais avec la variation Ginette, c'est les légers speckles. Hop. Et donc là c'était un essai sur cette base mérino tencel franchement c'est plus que concluant, j'adore, c'est vraiment très très beau, c'est vraiment sublime, ça ne mange pas le... Ça ne mange pas la dentelle, le yoke, etc. C'est vraiment très 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 beau. Pour réaliser mon pull dans la taille C, je ne saurais plus dire quel est le tour de buste. Je crois que c'est 101 ou 103. J'ai utilisé 3 écheveaux. J'ai utilisé exactement 980 quelque chose, il me reste ça de mon troisième écheveau et ça, ils étaient très très généreux. Ils étaient très très généreux et il me reste ça et ça du deuxième, ça du troisième, puisqu'en fait ça c'est ce qui me reste pour des manches. J'ai utilisé un écheveau entier pour faire les deux manches pour que ce soit exactement les mêmes manches et il me reste ça de l'écheveau. Et j'ai terminé le corps sur le troisième. Et il me reste ça, du troisième écheveau sur mon corps. Donc j'aurais même pu rallonger encore un peu. Mais ce n'a pas été nécessaire. Voici la petite beauté. Alors cette fois-ci, ce sont des manches fitées. Alors vous avez la version comme pour... Enfin, vous avez une version manche ballon. Vous avez une version manche courte. Ici, la manche trois quarts, la manche au coude, la manche trois quarts et la manche longue. Alors, je vous ai mis au pif, hein. Je pense que la manche trois quarts arrive ici, la manche au coude ici et la manche courte, ben, quelques centimètres, quelque chose comme ici. Encore une fois, c'est un yoke un peu descendant. Alors, c'est pas gênant, hein, ça vient pas, vous l'avez pas à milieu de corps, hein, mais voilà, c'est... Quand je le porte, mon aisselle est ici et l'arrêt est ici. Donc du coup, et bien encore une fois, j'ai un corps à 33 cm. Et c'est parfait, ça tombe nickel chrome. Une finition en côte 1-1. Je me méfie parce que... Non, c'est pas sur celui-là. Je me méfie parce que des fois, j'oublie de rentrer le dernier fil. Je mets au blocage, mais non, là, je l'ai bien rentré et il est coupé déjà. Donc... nickel. Donc voilà pour cette petite beauté. Vous voyez les fleurs avec le blocage, elles se sont révélées là, les petits boutons de rose là se sont révélés. Je vais essayer de vous mettre la bonne couleur. Avec ce temps un peu changeant, nuageux, c'est très très gris, c'est compliqué. Ah non, vous l'aurez pas. C'est vraiment plus rose que ça. Ouais, là on est pas mal. Là on serait... Ah, ça rechange, ça revient. Bon, bref, on va y arriver. De toute façon, j'essaierai de faire des jolies photos. Bon, il sort fin avril. Celui-ci sort début avril, celui-ci fin avril. D'ici là, j'aurai le temps de faire des jolies photos. Et puis, Karine pourra proposer des jolies variations en base de Ginette. Je sais qu'elle a travaillé un autre coloris là sur lequel elle va faire sa propre version. Et il est juste magnifique. Mais j'ai pas retenu le nom.
C'est un de ses derniers coloris à speckle qu'elle a sorti et qui vous a énormément plu. Alors, c'est pas un coloris romantique comme celui-ci, mais c'est un coloris qui reste quand même super sympa. Bref, voilà pour ce deuxième objet terminé. Donc, je vous ai pas expliqué la construction, mais c'est comme celui-ci. On commence, on fait le montage, on tricote le yoke, on met les manches en attente, on fait le corps et on vient tricoter les manches en rond en fonction de la version que l'on a choisie. Moi, j'ai fait la version manche longue pour savoir quelle quantité exacte il fallait consommer. Parmi mes testeuses, certaines ont envie de faire des manches ballon. Donc, j'ai rajouté la version manche ballon, mais il faut que je recalcule les quantités de laine exactes qu'il va falloir parce que moi j'ai pas fait de manche ballon, donc je ne sais pas exactement quelle quantité ça va consommer en plus. Mais il y aura la possibilité. Par contre, il faudra prévoir un petit peu plus de laine parce que je vois bien, moi normalement je passe un pull comme ça, je le passe en 3 écheveaux. Et là, avec les manches ballon, il a fallu que j'entame mon quatrième pour 8 grammes. Donc d'habitude, j'utilise à peu près entre 270 et 280 grammes sur un pull. Là, j'ai utilisé 317 grammes avec l'échantillon, donc un peu moins de 310 grammes pour réaliser mon pull. Voilà, c'est le parti pris des manches ballon, c'est joli, mais ça consomme puisqu'elles sont toutes droites. Voilà pour les objets en cours. Un autre accessoire sur lequel j'ai travaillé cette semaine, c'est la couverture, la Jinxo Puzzle Blanquette. Je vous avais dit la semaine dernière que j'avais une grosse section à tricoter. Alors que je la reprenne dans le bon sens. Où est ma section? Non, ça c'est en bas. Ça c'est en bas. C'est par ici. J'avais... Voilà. Je vous ai laissé. J'avais tricoté cette section et cette section. Et je devais venir relever des mailles pour faire ce gros triangle. Donc, c'est chose faite. Mais du coup, j'ai terminé tout l'angle. Donc, j'ai fait la section suivante. Qui était un rectangle un peu avec une pente. Ensuite, il y avait ce triangle à faire, puis ce parallépipède, et on venait terminer par un autre triangle, ce qui fait que j'ai terminé cette partie. Donc là, ça donne vraiment une grosse bébête. Hop. Donc là, je ne sais plus les laines à part celui-ci qui était un reste de mon châle Home Sweet Home. Et ça, je ne sais plus, ça devait être des essais teintures. Ça c'est un reste en mérino et soie que j'avais racheté en destache, me semble-t-il. J'avais racheté quelques restes dans l'objectif de faire cette couverture dans les tons roses et dans les tons beige. Là, c'était le seul qu'il y avait en rouge. Je me suis dit que ça ne détonnait pas, c'était sympa. Donc voilà, la bestiole, elle commence à être un peu grande. Hop, 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 hop. Donc là, la prochaine fois, c'est une grosse section et il me semble qu'on vient la relever ici pour repartir. Parce que là, en fait, on est sur la pointe. Là, c'est le bout de la couverture. Vous êtes dans le bon sens? Non, là. Là, c'est le côté largeur de la couverture. Là. Tac, 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 on vient jusqu'ici. Ça, c'est la largeur de la couverture. Oui, elle est grande. Voilà. Donc là, on commence à partir sur la longueur. Et là, on est à peu près au 2/3 de longueur, je crois. Tac. Et donc, on repart de l'autre côté, de l'autre angle, donc l'angle. Et on vient relever les mailles, il me semble, ici. Et là, c'est pareil, c'est un sacré morceau. De mémoire, les pesées que j'ai récupéré de celle qui avait noté les pesées, c'est 56 grammes là à tricoter, un bon gros triangle là. Donc on verra,
On verra si j'arrive à la tricoter la semaine prochaine, si je fais plus, si je fais pas. Je sais pas. En tout cas, là, je suis contente puisque eh bien, j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq sections sur ma semaine et du coup, elle a pris une belle ampleur puisque je crois que je suis à la section 22. Oui, c'est ça, puisque la prochaine, c'est... Oui, c'est ça, c'était la 23 là que j'ai lue. Si je vous montre sur le schéma, mais j'ai pas colorié. Et du coup, oui, j'ai changé les couleurs. La 23, finalement, ça sera avec celle-là. Ça faisait trop de rose et de gris au même endroit. J'ai préféré mettre un beige. Et finalement, c'est pas plus mal comme ça. Parce que là, en fait, je vous avais dit, à la base, je voulais... Viens ici, petit cœur. Hop. Mettre celui-ci à la place de celui-là. Pour faire le rappel gris, ça aurait été un peu trop rose, gris. Du coup, j'ai mis ce beige. Et puis après, du rouge. J'ai repris un autre beige, mais c'est un beige un peu plus foncé. On voit bien, c'est pas le même beige. Il est un peu plus foncé. Il allait super bien avec celui-ci. Et en fait, ça, le rouge tranche bien entre les deux beiges. Et puis un petit peu de rose, histoire de mettre un petit peu de rose. J'avais ce tout petit reste-là. Qui passait nickel chrome, je crois que j'avais 9 grammes, il fallait 8, donc c'est parfait, je vais vraiment au bout de mes restes et c'est vraiment chouette. Et donc du coup, tac tac tac, oh là là, on commence à s'y perdre là-dedans. Donc du coup, de ce, c'est, hop, je vais venir mettre, hop, ce rose ici, puisque là, on n'a pas ce genre de rose, donc ça sera super sympa, j'espère, on verra. Je ne l'ai pas encore posé par terre pour voir. Et donc, oui, c'est ça, hein, je ne vous dis pas de bêtises. Donc, en fait, là, j'ai tricoté cette partie la semaine dernière. Non, cette partie la semaine d'avant, cette partie la semaine dernière. Et là, cette semaine, j'ai fait, enfin, la semaine, la dernière fois, là, j'ai fait cette partie-là. J'ai fait ça, donc, en rouge. Ça, c'est en beige. Ça, c'est le reste de mon Home Sweet Home. Et là, c'est le petit triangle rose. Donc, vous voyez, je vous le dis, on est bien au, à peu près aux deux tiers en hauteur de la couverture. Donc, toc. Donc, maintenant, on laisse tomber ce côté et on va venir créer de ce côté-là. Oui, parce que si on continuait de ce côté-là, je pense qu'à un moment, ça tirerait trop au niveau du poids. Il faut venir un petit peu combler ici pour que on vienne faire vraiment la moitié. Donc, du coup... Là, ça sera cette section-là, hop, comme ceci. Et ensuite, 24, c'est la grande bande ici. Ensuite, 25 ici, 26, 27, 28. Non, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et après, on va revenir, du coup, se rattacher à cette partie. Donc là, on vient tricoter comme ça, clac. Donc là, on vient faire ici, 23, donc 23 le gros triangle que je vais faire là, 24 ce grande, cette grande bande là, 25, 26, 27, et ensuite 28, 29 la petite forme bizarre là, 30 ici, et puis après 31, je le vois plus, 31 ici je crois, oui c'est ça, 31 ici, et alors là 32, souhaitez-moi bonne chance, c'est cet énorme morceau ici, 32, 33, et puis après on va venir créer au milieu, enfin bon, bref, on n'y est pas, on attaque ce triangle cette semaine, et puis, et ça sera déjà pas mal, parce que 50 grammes de laine là, ça sera déjà une bonne chose de fait. J'avais pesé, mesuré 56 grammes exactement, il va me falloir pesé, mesuré je suis déjà à 1900 mètres tricoté sur cette petite bête. Elle va être super sympa. Oh, ça va être ça, ça va être canon, ça va être canon. Je suis toujours en train de réfléchir si je fais réellement un I-cord autour ou si je relève pas mes mailles pour faire une bande un peu plus large au point mousse, mais auquel cas, quelle couleur, je sais pas encore. Et puis même l'I-cord, je sais pas, peut-être un gris foncé pour
pour faire un encadrement sympa, je pourrais trouver une arouetta, m'acheter ou regarder dans mon stash. Je dois peut-être avoir ça, du gris foncé pour vraiment ourleter, ça peut être super sympa. Ça fera un joli cadre. Donc voilà pour cette petite merveille qui a vraiment, mais alors vraiment bien avancé. Je suis contente. J'avais l'impression un peu de stagner dessus et là, claque, 5 sections d'un coup. C'était super chouette. Mon sac, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai commencé ma Jinxo blanquette, je ne pouvais pas le fermer. Il y avait de la laine qui vomissait de partout. Alors, il y en a encore beaucoup, hein. Il y a encore beaucoup, il y a encore de quoi faire largement. Il y a encore largement de quoi faire. Pourtant, je rajoute de temps en temps, là, quand je vais dans mon stash et que je trouve des... par exemple, ce gros reste-là, celui-ci qui est le reste de mon lili sur un fil, de mon châle à lili sur un fil. Donc, je les rajoute. Mais force est de constater, pourtant je remets aussi les tout petits restes qui me restent de la couverture au cas où j'ai besoin de 2 ou 3 grammes pour mixer avec autre chose par exemple, ou pour finir, parce que des fois, là, ça c'est les restes de mon home sweet home, des fois pour finir, il manque quelques grammes pour finir une section, donc bon là pour l'instant ça s'est pas présenté. J'ai toujours réussi à finir les sections, mais je me dis que plus je vais avancer, moins je vais avoir... le choix dans les couleurs et dans les poids, donc il va falloir que je mixe des laines, donc bon, ça peut toujours servir, mais voilà, il a quand même plutôt pas mal diminué, hein. Je dirais que ouais, on pouvait pas le fermer, on voyait tout qui dépassait, et là on est bien, donc ça mange pas mal de restes et c'est super chouette parce que du coup bah, les restes sont revalorisés et ça c'est plutôt intéressant. Hop, je vais tout ranger ici, puisque ici, là, juste là, c'est mon fourbi. Non, c'est pas fourbi, c'est là où je range l'ensemble de mes sacs à projet à côté du canapé, parce que mon canapé est juste là. Donc, du coup, je range ici mes sacs à projet, c'est quand même plus facile à attraper. Un autre projet dont je vous avais parlé qui est sur mes aiguilles, qui est rangé dans un de mes derniers sacs que vous avez vu la semaine dernière de chez Crealovia. D'ailleurs, j'ai totalement craqué, mais je vous explique ça après. Un superbe sac de chez Crealovia. Est-ce qu'elle m'a mis sa petite étiquette? Oui, ici. Hop. Et avec une petite poche devant, c'est tout mignon. C'est le châle azuré que je tricote dans la base céleste de Nathalie Atelier Balibou. Donc, c'est le coloris Laetitia. Ça, c'est trop mignon d'avoir donné mon nom, mon prénom. Donc, c'est un joli bleu-gris avec des speckles turquoise et gris foncé presque noir. Vraiment super sympa. Vraiment très très beau. Je ne regrette pas mon choix. Elle m'avait fait la proposition de plusieurs coloris et c'est mon coup de cœur s'est porté là-dessus. Et je vous ai dit, je veux faire un châle tout simple. Facile à enfiler, facile à porter, facile à tricoter. Vraiment pour mettre la laine en valeur. Donc la base c'est 30% soie, 70% mérino, j'ai 400 mètres au 100 grammes et j'ai demandé 2 écheveaux puisque Nathalie me les a gentiment offerts. D'ailleurs je ne vous ai pas dit, pour le pull céleste, c'est pareil, c'est une collaboration commerciale non rémunérée, les laines m'ont été offertes. Pour les chaussettes et pour ce pull, ce sont des collaborations, mais j'ai acheté ma laine. Donc là, la laine m'est offerte, donc 2 écheveaux. Et voilà le début de la petite bestiole. Hop, hop, hop. Donc je suis à la section 3, hein, vraiment pas grand chose, mais il a déjà une belle ampleur, un petit bandana. Commence par la pointe, c'est un triangle asymétrique, on vient faire un petit jeu de dentelle, on repart sur du mousse, on reviendra faire de la dentelle et ça sera comme ça. Petit à petit, on fait de moins en moins de mousse, de plus en plus de dentelle et on termine le châle, mais ça vous le verrez quand il sera terminé. Donc regardez-moi ce jeu de speckle, il est vraiment sublimissime.
La laine, elle est douce. C'est vraiment superbe. C'est un pur plaisir à tricoter. Ça monte tout seul. C'est juste que je lui ai pas accordé assez de temps pour que ça monte un peu plus. Hier soir, j'ai terminé ma section 1. J'ai fait un peu de dentelle et j'ai avancé la section 3. Donc voilà, le patron est écrit en même temps. Il entrera en test d'ici, je pense, une dizaine de jours. Donc je sais plus, j'ai pas mon planning sous les yeux. Donc voilà pour cette petite beauté. Une dentelle toute simple, en diagramme et écrite. Donc ça c'est chouette pour celles qui savent pas lire les diagrammes. Et puis une bordure qui est déjà. Je sais pas encore si je vais venir relever ou pas. Je pense que la bordure se suffit à elle-même. Je vais voir quand je l'aurai lavé bloqué si il y a nécessité de mettre une bordure ou pas. Pour l'instant, je ne pars pas avec l'idée de rajouter quelque chose. Donc voilà, j'ai pas utilisé énorme. Je crois que j'ai utilisé une quinzaine. Grosse quinzaine de grammes, donc vous voyez, j'ai encore de quoi faire. Hein. J'ai encore un échauffe-plein plus de 80 grammes sur l'autre, donc c'est assez chouette. Ça va avancer tranquillement et je suis bien contente. C'est un châle que vous pourrez retrouver à la fin du printemps. Ça sera parfait pour l'été. Ça sera vraiment super chouette pour l'été. Oui, ça sera un petit châle léger qu'on pourra venir enfiler facilement comme ça. Là, je cherche où poser mes affaires. Facilement pour l'été. En plus, je sais que Nathalie vous concocte des jolies couleurs. Donc, ça va être vraiment chouette. Fin de printemps, début d'été, ça sera vraiment à faire dans des couleurs douces pour mettre au-dessus d'une robe ou dans des couleurs encore plus peps si vous en avez envie. Enfin, franchement, il ouvrira les perspectives de beaucoup de coloris, des un peu plus chamarrés, des un peu plus neutres, on va dire, des unis, des speckles. Enfin, franchement, là, vous allez pouvoir vous éclater sur le choix de vos coloris. Un autre sac Créalovia qui faisait partie de ma commande que vous avez pu voir la semaine dernière. Celui-ci, le joli panier stylé. J'adore, 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 j'adore. Il est vraiment super beau. J'aime beaucoup. Hop, avec ces petites poignées. Moi, ce que j'aime, c'est surtout qu'ils tiennent. Voilà, ils tiennent debout. Moi, c'est ce que je demande à un sac à projet, c'est qu'il puisse tenir debout quand je le pose sur une table. Et ça, c'est chouette. Alors, dans ce joli petit sac à projet se cache le projet imprévu. Voilà, c'est le projet imprévu. Je vous explique. Vous savez que j'ai 3 enfants. Mon premier qui est un adolescent, qui est en lycée, qui ne veut plus rien porter de tricoté par maman, à part des chaussettes. Donc ça, vous savez. Mon deuxième qui est en CE2, qui adore les chaussettes tricotées par maman, qui adorait les pulls et les snoods et les bonnets tricotés par maman, qui est rentré l'année dernière avec un snood autour du cou et des grosses larmes dans les yeux en me disant: Maman, je ne veux plus mettre de choses que tu tricotes pour l'école. Tout le monde se moque de moi. Ils disent que c'est moche, que la laine, ça pique, ça gratte. J'ai beau leur dire que non. Voilà. Bref. Gros drame à la maison parce que maman, triste pour son petit garçon qui adore tout ce que je lui tricote et qui ne peut plus le porter parce que il a 8 ans et donc pas forcément le caractère pour envoyer promener ses petits camarades, c'est plutôt une bonne patte. Vexé parce que je passe quand même des heures à faire des choses pour lui et il refusait catégoriquement de les porter, à part les chaussettes qu'il porte tout le temps. Et en même temps, je me suis dit, bon, il grandit, il prend exemple sur son grand frère, c'est pas grave, je vais me rattraper sur Lilian et je tricoterai des pulls plus petits et puis ça ira plus vite. Vous me voyez arriver. Je pense que vous me voyez arriver. Léandre rentre de l'école vendredi et me dit: Maman, donc le vendredi des vacances pour nous, donc
il y a déjà presque 10 jours. Maman, tu sais, j'ai froid à l'école. Je dis, bah oui, mais Léandre, enfin, tu portes des sweats, tu as des vestes. Je peux pas faire grand-chose de plus. Tu as des t-shirts en mérino que j'achète de la marque Dealing. Je dis, donc si tu as froid, tu peux mettre ces t-shirts-là. D'accord, maman. Je ne cherche pas plus puisque c'est un non catégorique de tricoter quelque chose pour cet enfant. Il ne veut plus. Donc, je laisse courir. Et puis, mercredi, oui, c'est mercredi, au petit déjeuner, il revient à la charge en me disant, tu sais, maman, j'ai réfléchi, j'ai vraiment trop froid à l'école. Est-ce que tu pourrais, tu crois, me faire un pull, me tricoter un pull parce que moi je les aime trop tes pulls. Et puis en plus, eh bien, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des pulls tricotés et du coup, eh ben en gros, plus personne se moque. Donc, eh ben l'envie est revenue chez mon petit chat. Il était trop content de me demander un pull. Bien sûr, maman, trop heureuse que son petit bébé d'amour lui redemande un pull tricoté à la main. Je lui dis, il n'y a pas de souci, seulement voilà, il faut qu'on choisisse vite la laine. On est quand même fin février, donc je vais pas tricoter pour que ça soit terminé au mois de juin et qu'ils ne veulent pas y le mettre et qu'à la rentrée, hein, au mois de juin qu'ils ne veuillent pas le mettre, oui, hein, c'est pas un souci, mais qu'à la rentrée, ben, ils deviennent trop petits. Donc pour qu'ils puissent le porter maintenant. Je lui dis, il faut quand même qu'on se dépêche de choisir un modèle, de choisir la laine, et puis que maman puisse le mettre sur les aiguilles assez rapidement. Même si je ne vais pas te le tricoter en 3 jours, il me faut quand même une bonne dizaine de jours pour te le faire, il faut quand même qu'on ait la laine rapidement. Donc, je lui propose plusieurs épaisseur de laine sans lui dire ce que c'était. Donc je lui propose de la fingering, je lui propose d'aller toucher le pull que portait son frère. Donc son frère portait un pull en pernilla. Un instant, je reviens. Me revoilà, je suis désolée. La porte d'entrée s'est ouverte toute seule. Miracle du vent. Et donc le chien en a profité pour se sauver dans le jardin. Et comme c'est détrempé, il a vite fallu que je le rattrape. Donc j'étais en train de vous dire que je crois j'ai fait choisir la laine à mon loulou. Donc il lui a présenté donc le pull en fingering. Je lui ai fait toucher pour qu'il voit l'épaisseur. Lilian portait un pull en pernilla, oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Que Lilian portait son teddy bear de petite nit en pernilla sugar almond que je lui ai tricoté l'hiver dernier. Donc une épaisseur un peu plus sport. Et je lui ai présenté un pull de Lilian tricoté en déca, indiqué pour qu'il voit un petit peu l'épaisseur. Et son choix s'est porté sur la pernilla, sur l'épaisseur sport, parce que bah, oui, je pense que c'est une épaisseur qui lui convient bien parce qu'il a vite chaud. Fingering, c'était un poil fin et puis une taille 12 ans en fingering, voilà, ça me bottait pas plus que ça. C'est vrai qu'il est tombé redingue de la laine de son frère, enfin du pull de son frère, de l'épaisseur du pull de son frère. Donc du coup, on est allé dans ma malle à trésor de Pernilla et il a choisi un coloris. Le coloris 145, c'est celui-ci, c'est ce joli bleu marine, donc en pernilla. Et là, je lui dis d'accord, je lui dis mais t'as déjà une idée du pull que tu veux? Il me dit oui maman, attends, bouge pas, je te le dessine. Donc il me dit tu peux me faire juste le tour du pull, donc je lui ai dessiné un pull. Et il est venu me présenter tout fier de lui au bout de 30 secondes le dessin de son pull. Donc, en gros, il s'agit d'un pull en jacquard avec juste une bande de chevron. D'accord, pas de souci. Mon cerveau a tout de suite fait tilt comme ça. Et il me dit, par contre, je voudrais la bande en jaune fluo. Non. Non. Non, mon chéri, je ne te ferai pas un pull bleu marine avec une bande jaune fluo alors que tu ne veux pas porter des pulls à l'école, que là c'est un test pour que tu réessayes un pull à l'école. Je ne vais certainement pas te faire un pull avec une bande ultra flashy.
pour aller à l'école. Il me dit, ah d'accord, ben, je la veux noire. Non plus. Ça ne va pas être possible, Léandre, de te faire un pull bleu marine avec une bande noire. Je lui dis, chérie, ça va pas se voir. Ça va vraiment pas se voir. Je lui dis, ce que je te propose, c'est de te la faire en gris ou de te la faire en blanc. Ça peut être sympa. Il me dit, ah d'accord, en gris. Donc, il choisit un gris clair. Et puis, Léandre, là, il est en semaine de ski. Il est à l'école française du ski et donc du coup il n'est pas là. Et donc je suis tout de suite allée voir dans mon stage, je n'avais pas assez de permis à 145. Donc du coup, SOS Triscott Christine, vite, vite, est-ce que tu as assez de permis à 145? Je regarde sur son site, elle ne lui en restait plus que 3. Et là, le drame. Le drame parce que eh ben, il m'en faut au moins 5. Donc j'ai écrit tout de suite à Christine, puisqu'elle partait en vacances et que les commandes passaient après midi, ce jeudi-là, c'était mort, il fallait attendre fin mars. Donc je lui ai écrit en lui disant, écoute, il n'y a plus que 3 pelotes sur ton site, est-ce qu'il y a une erreur de compte? Est-ce que tu en as un peu plus? Est-ce que tu en aurais des cachets dans un autre sac? Et là, elle me répond, elle me dit, écoute, j'envoie 7 dans mon stash, donc j'avance dans mes commandes et je te tiens au courant si quelqu'un a commandé les 4 autres ou pas. Et elle me recontacte à 11h30 en me disant, écoute, j'ai fini mes commandes et j'ai bien les 7 dans mon stock. Donc, c'était une erreur de stock. Tu peux les avoir. Donc là, trop, trop contente, vous imaginez même pas. Donc, j'ai commandé les 7 pelotes de bleu marine et j'ai rajouté 2 pelotes de sugar almonde. La couleur du teddy bear de Léandre, pour lui refaire une Sunday baklava, parce qu'il porte la sienne sans arrêt. Et du coup, je me suis dit, eh bien, je vais lui en faire au moins une, voire deux de plus, en fonction des restes de 145 que j'aurai, puisqu'il me faut 63 grammes de pernilla pour faire la Sunday baklava, balaklava. J'ai commandé donc 2 pelotes de sugar almonde, et comme j'en ai 7 de bleu marine, en fonction de ce qu'il me restera du pull de Léandre, je pourrai lui faire une bleu marine, une marron et une grise qu'il a déjà, et ça sera super chouette pour aller avec ses petits manteaux ou même ses petits pulls, juste le pull ça peut être sympa, parce qu'en fait je lui mets en version capuche, je lui enfile, ça lui fait vraiment le tour de cou et je lui mets la capuche au-dessus du manteau et c'est super sympa, on la met que s'il fait froid ou même quand il commence à pleuvoir, ça peut être sympa. Et donc je reçois la laine samedi, Léandre était déjà parti et là, la révélation bleu et du marron l'un à côté de l'autre. Mais ne vont-ils pas trop bien ensemble? Regardez-moi ces petites beautés. Et là, je me suis dit, mais juste une ligne de chevron, je suis pas très fan de l'idée. Je retourne dans mon stash et je prends un blanc et j'avais le gris de sortie déjà et j'essaye les trios comme ça. Le gris était sympa, mais ça venait un peu rendre terne le marron. Là, le problème, c'est que vous avez peut-être plus comme ça, la luminosité qui nous pourrit la vie. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire le pull bleu, le chevron qui vient dans le bleu en blanc et le chevron central en marron. Et on repartira dans l'autre sens, comme ceci. La pernille. Donc, nous avons cette superbe couleur, la 366, donc la sugar almond, la 145, donc la marine, et la écrue qui est la 101. Et vous voyez bien que c'est une vieille pelote que j'avais dans mon stash, puisque ce n'est plus ces emballages-là pour les nouveautés, c'est cela. Les bagues de laine, c'est comme ça maintenant. Et donc je dessine, gribouille, calcule, et puis je dessine une grille de jacquard, et je monte, on est quel jour? Mardi, c'est ça, j'ai fini mes chaussettes dimanche matin,
Donc c'était ça, c'était samedi soir pour l'histoire des chaussettes. Je les ai terminées dimanche matin. Donc en fait, quand j'ai tricoté, j'ai pris le pull dans l'ordre. On revient en arrière. Une fois que j'ai eu raccroché avec vous, j'ai pris le pull. L'objectif était de finir le corps. Une fois que j'ai eu terminé le corps, donc ça m'a pris mercredi, jeudi. Non, j'ai fait autre chose entre temps. Qu'ai-je fait ? J'ai monté le début du châle et j'ai fait pas mal d'informatique vendredi. Oui, c'est ça. Mais en tout état de cause, j'ai terminé vendredi. Oui, c'est ça. J'ai fait mercredi, jeudi, vendredi sur le pull. J'ai terminé vendredi matin le pull. Vendredi après-midi, j'ai pris la couverture. J'ai commencé la couverture, la grosse section de la couverture. Samedi matin... Je sais même plus dans quel ordre j'ai fait les choses. Bref, c'est pas grave. Tout état de cause, je reçois ma laine samedi midi et j'ai commencé à monter le pull. Oui, c'est ça, j'ai fait la couverture samedi soir et dimanche matin. Donc, non, c'était les chaussettes. C'est horrible, le Covid, les restes qui me restent. Enfin bon, bref. J'ai commencé le pull dimanche après-midi et donc j'ai tricoté dessus dimanche après-midi, un petit peu dimanche soir, un petit peu dimanche soir me semble-t-il, et hier un petit peu dans la journée, et là je vous montre devant, ça sera plus simple. Et voilà où j'en suis du petit pull. Alors c'est un taille 12 ans, ça paraît rikiki parce que mes aiguilles, je suis sur un câble de 60, mais il y a de la marge. Hop, je vais vous montrer. Vous voyez, il y a quand même de la... Il est tout rabougri là. Donc voilà, j'ai tricoté en version yoke, donc on est toujours sur le dos. Donc j'ai tricoté les côtes, ensuite je suis venue faire des augmentations, ensuite des rangs raccourcis dans le dos, là on voit bien hein, qu'il y a des rangs raccourcis dans le dos, ensuite des jeux d'augmentation de yoke, ensuite eh bien, les chevrons dessinés par mon loulou. Alors à la base il n'y avait qu'une ligne de chevrons, mais je voulais vraiment marquer le coup, faire des chevrons pas trop épais, mais qui marque le coup quand même, et faire un jacquard simple, c'est-à-dire que à chaque fois on n'a que deux couleurs. Il n'y a aucune ligne où on a trois couleurs. Donc voilà. Et puis hop, j'ai continué un petit peu le corps hier après-midi. Et puis après j'ai repris mon châle. Donc voilà où j'en suis. J'ai dû faire 4 cm sous les emmanchures. Hop. 4 cm sur les emmanchures. Là, je suis dans ma deuxième pelote. Il doit me rester 30 grammes sur les 50. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer cette pelote sur le corps. Et quand j'aurai terminé cette pelote, je vais venir faire les manches. Je pense que je vais faire ça. Je vais venir faire les manches et ensuite je verrai pour la longueur de pull. Je suis partie sur une longueur de 36 cm, côte comprise, hein, 36 cm. Je me dis que Léandre rentre samedi matin. Je n'aurai pas fini le pull, c'est certain. Mais je me dis que du coup, finir le corps en lui essayant, ça pourrait être pas mal. Comme ça, je peux vraiment ajuster à sa longueur et rajouter 3-4 cm pour qu'il lui aille quand même peut-être... en début d'automne prochain. Et puis bah, les manches, je vais me fier à son sweat qui lui va bien, quoique la hauteur, si vraiment j'ai bien avancé la hauteur de pull, je peux me fier aussi à son sweat. Donc voilà, là vous avez déjà une pelote, le jacquard et puis un peu de la deuxième. Je suis
Joie, j'adore. J'adore le rendu. Alors, quand je le tricotais, j'étais là dans ma tête, je n'en ferai pas un design, je n'en ferai pas un design, je n'en ferai pas un design. Mais quand je le vois là, je me dis que c'est simple et efficace, ça peut être sympa d'avoir un petit modèle un peu intemporel comme ça. Et je me dis que je le ferais bien pour moi, en bleu comme ça, et là, avec un rose flashy. Bref, on n'a pas les fesses sorties des ronces, on va dire ça comme ça. Donc voilà le pull de mon Léandre qu'il m'a dessiné. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah ben voilà, dites-moi vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Design ou pas design? Je le laisse juste pour Léandre ou j'en fais un design version adulte et enfant? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ça, il n'empêche que je peux très bien aussi me le tricoter pour moi et ne pas en faire un design. Ça, c'est pas un souci. En tout cas, il est vraiment chouette et il rend vraiment super bien en vidéo. Et puis regardez la perniya, la définition du point, même sur le jacquard, elle est vraiment sublime. J'ai tiré un peu sur quoi là? Ah non, rien du tout. Donc. On va passer à la dernière phase, la phase des objectifs de la semaine prochaine. La semaine prochaine, qu'est-ce que j'aimerais vous présenter mardi quand je viens vous voir? Concrètement, j'aimerais vous présenter ce pull quasiment fini. En tout cas, les deux manches et un peu plus que la moitié du corps, ça serait vraiment top. Si je peux avoir les deux manches et la moitié du corps, ça serait vraiment canon. Ouais, là franchement, ça serait l'objectif, c'est que Léon puisse le mettre assez rapidement, surtout qu'il nous annonce du refroid un petit peu. Ça serait vraiment chouette. Je vous cache pas que j'aurais aimé, franchement, l'avoir fini pour samedi quand il rentre, pour lui faire la surprise. Je suis pas sûre parce que j'aimerais aussi avancer sur d'autres projets. Donc, celui-ci. Donc. Elle est vraiment très 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 belle cette laine. Et là, il va falloir que je pleure auprès de Christine pour qu'elle recommande d'autres pelotes de Pernilla en 145. Si tu passes par là, Christine, s'il te plaît, s'il te plaît. D'autant qu'elle m'a offert les quatre pelotes de bleu qui n'étaient pas dans son stock pour Léandre. Alors un grand, grand, grand merci à toi. Avant de vous parler des autres choses que je vais vouloir avancer cette semaine, je vais vous parler du magazine Pose parce que je ne l'avais pas fait jusque-là. Le magazine Pose, c'est... Pourquoi j'ai une petite tache là? C'est le magazine qui est rédigé par Pauline de Léna Mouret. Et pour lequel j'ai participé. Donc, vous le voyez ici. Oui. C'est mon châle Venise que vous n'avez jamais vu, puisqu'il faisait partie des pièces secrètes que je ne pouvais pas vous montrer. Donc, superbement présenté. Eh bien, je n'y arrive plus. Par Cécile de Que font mes mains? Regardez-moi ça, comme il est trop beau. Superbement mis en valeur. Est-ce que... Je l'ai tricoté dans la laine Mérida de Arco Iris Yarn. Alors, c'est un châle triangulaire avec une arête torsadée. Et des jeux de mousse et de dentelle, des petites nappes et une bordure en picot. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Oui, mais après, on verra pas mieux. On verra pas mieux. Et donc, dans ce superbe magazine, il y a vraiment des modèles hyper, super sympas. Et notamment. J'aime beaucoup le gilet feuille. Alors, je ne me le ferai pas parce que ce n'est pas une pièce que je porterai, mais je le trouve superbe. J'adore la robe designée par Coraline, par Malorae. Est-ce que, voilà,
qui est ici, je l'adore. Et forcément, ça me redonne envie de designer une robe, ça c'est sûr. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tout plein de jolis modèles. Tout plein de jolis modèles. Il y a des chaussettes. Après, il y a plein de petites choses. Il y en a qui a le pochon, des bobines pattern. Hop. Il y a des pulls, il y a des chaussettes, il y a des recettes, des mitaines au crochet. Ce pull. Il y a cette pochette cartable. Les chaussettes qui sont ici. Mon châle qui est ici. Bref, un joli petit trésor. Donc, Pauline m'en a gentiment offert, enfin envoyé deux. Un pour moi et un que je vais pouvoir faire gagner. Et donc, ça sera un des lots du concours. Je suis en train d'organiser ça dans ma tête et avec des super sponsors. Il y aura des super lots à gagner. J'ai vraiment très, 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 très hâte de pouvoir organiser ce concours. Et puis au final, ça sera pas mal parce que ça sera le concours du coup des 3500 ici, des 6500 sur Instagram, de mon centième patron qui sort là, et des 6 ans de Mum des Anges Tricote. Donc en fait, ça va être vraiment un gros concours pour moi qui regroupe beaucoup de choses. Donc je suis en joie. Les projets sur lesquels je veux travailler cette semaine. Le pull de Léandre, forcément. Le châle, un été en Bretagne. Il faut vraiment que je l'avance, celui-ci. Je vous le montre, il n'a pas du tout bougé, mais je vous le remontre pour ceux et celles qui arriveraient. Donc ça, c'est ma version 2, hein. La version 1 est terminée. Il faut vraiment que j'avance. Concrètement, il faudrait que pour mardi, j'ai fini tous les carrés verts comme ça. C'est vraiment mon objectif de la semaine, c'est d'avoir terminé tous mes carrés. Donc j'en ai un de fait, un deuxième où j'ai relevé les mailles. Donc il me faudrait que je fasse 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 7 carrés, c'est 7 plus le relevé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus le relevé, donc 8 carrés à faire. Voilà, j'ai 8 carrés à faire et ça serait, voilà, mon objectif, faire ces 8 carrés là pour mardi sur ce châle, ça serait chouette. Donc finir le pull de Léandre, enfin finir le pull, non. L'avancée du pull de Léandre, donc moitié de corps et les deux manches. Finir la rangée de carrés sur celui-ci. Sur le azuré, parce que je ne veux pas prendre de retard, ça serait d'avoir fini la section 3, d'avoir fini la section 4 et d'être dans la section 5. Donc en gros, finir le mousse, faire la dentelle. En plus, je vous le montre à l'envers. Finir le mousse. Faire la deuxième section de dentelle et être dans la troisième section de mousse. Donc mousse, dentelle, mousse. Donc finir celle-ci, la dentelle et être dans la dernière section, dans la section de mousse suivante. Ça serait pas mal. J'aurais bien avancé dessus du coup si j'arrive à faire ça. Je voudrais reprendre le pull qui est dans ce sac à projet, qui est le pull de ma maman, le pull Love Note de ma maman, et l'objectif pour la semaine prochaine, c'est d'avoir fait une manche. Voilà. Comme ça, au moins, il ne dort pas. Ça serait d'avoir tricoté la première manche. Comme ça, au moins, c'est une manche ballon, c'est tout droit, je ne me prends pas la tête, je ne me pose pas de questions, je tricote mes 40 cm de manche et les centimètres de côte, enfin, le... C'est moi hein, qui fais des manches ballons, hein. C'est parce qu'elle veut exactement le même que le mien. Donc je vais faire mes manches ballons, mes manches toutes droites, le rang de diminution et les côtes. Donc quand je viens vous voir mardi prochain, l'objectif sur celui-ci, ça serait d'avoir terminé une manche. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment chouette. Du coup,
tac, tac, tac. La couverture, avoir fait ma section, ça serait vraiment chouette. Et je pense que sur cette semaine, si j'arrive à faire un ou deux carrés de granit, ça mangera pas de pain, mais je pense que je ne viendrai pas vous la présenter. En revanche, je voudrais avoir terminé. Là, on sera le 2. J'ai 3 sections à faire pour ce mois-ci, pour la remettre à la suite pour le mois de mars. Donc, ça serait d'avoir fait au moins une section, d'avoir fait la 5e section sur cette couverture. Il ne faudrait pas que je perde mes mailles, là, je vois qu'il y a des câbles de partout. Ah bah si, j'ai perdu plein de mailles, donc il va falloir que je fasse attention. J'ai perdu toutes les mailles qui sont ici, là. Donc, je vais aller les relever, là, juste après. Donc ça serait d'avoir fait au moins la section 5 et pourquoi pas avoir entamé la section 6. Donc la section 5 c'est du bleu et on repart sur le rose flash comme ça. Et vous voyez ce bleu là c'est le 145 et ça c'est le coffee. Ça c'est écureuil. Je voudrais faire le pull de Léandre pour moi en bleu comme ça, blanc et rose comme ça. Ça peut être super canon. Bref, sur cette couverture, il faut que je reprenne le travail et que je fasse au moins une section. Regardez-moi ce gros panier. Eh, trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Une section. Donc, il y a du travail en perspective. Je ne sais pas si je pourrai atteindre tous mes objectifs. En tout cas, je vais aller de ce pas me les écrire. Et si vraiment par cas il me reste encore un petit peu de temps de tricot, je voudrais monter le châle bohème et attaquer la section 1 du châle bohème parce que ça y est, il est dans ma tête, il est validé dans ma tête. Donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à le monter sur mes aiguilles et j'ai bien hâte. Donc s'il me reste un tout petit peu de temps de tricot, je monterai les premières mailles du châle bohème, auquel cas ça sera chouette. Si je n'ai vraiment pas de temps, et ben ça sera la semaine suivante et c'est pas grave parce que il me reste encore 15 jours avant le début de mon montage programmé, donc je suis large. Je le montais avec anticipation pour prendre du plaisir, mais je ne voudrais pas non plus me surcharger. Donc voilà, bah ça fait quand même pas mal de travail en perspective, mais ça va être chouette. Et puis bah, si j'y arrive pas, c'est pas un drame. Je sais d'avance que, par exemple, la couverture et les granits, bah, c'est eux qui passeront plus à la trappe. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire le pull de mon petit cœur, mais il faut aussi que j'avance sur mes designs, donc du coup... C'est un petit peu complexe de réussir à avancer sur tout, mais je vais bien y arriver. Le pull de mon loulou, ça va passer pour le tricot du soir en attendant d'avoir fini ma pelote. Donc ça va tout seul, c'est du jersey, du zéro cerveau. Et puis en journée, je vais tricoter sur des choses un peu plus de travail, on va dire. Je vais avancer sur le châle un été en Bretagne et le châle azuré. Et puis, quand j'aurai atteint les objectifs de ces deux châles-là, je prendrai la couverture, je pense. Je pense que ça va s'organiser comme ça. Et la couverture de West, de toute façon, je ne la tricote que les week-ends. Et puis, les manches du pull de ma maman, eh bien, on verra. On verra. Je pense que ça sera aussi ce week-end. Ça peut être sympa. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. La semaine prochaine... Ah si, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai commandé 2 nouveaux sacs à Stéphanie, à Créalovia. Mais cette fois-ci, ce sont des sacs à projet vraiment typés garçon. Un avec le thème Jurassic Park et l'autre avec un thème de scooter. Pour pouvoir mettre... j'ai fait faire les sacs comme ça. J'ai fait faire 2 sacs comme ça. Avec un cordon et dans cet esprit là le Jurassic Park c'est velours ici et Jurassic Park ici et la petite poche et je crois que c'est la même chose pour le scooter sauf que c'est du canevas donc c'est un uni et je crois que j'ai demandé le rouge, j'ai un doute, enfin bref, quand je les aurai reçus je vous les montre pour mettre les
futur pull de Léandre, mais aussi quand je vais tricoter pour chacun des garçons, ça sera vraiment les sacs à projet pour mes hommes, et ça, ça me met en joie. Et oui, je n'achète plus de laine, bon là, c'était exceptionnel, c'était pour compléter ma commande, pour compléter ce que j'avais déjà à la maison pour le pull de Léandre, c'était très exceptionnel, mais jusqu'à présent, je n'ai quasiment pas acheté de laine, sauf pour compléter, donc franchement, juste la couverture et la pernilla depuis 2 mois. Je pense que vous pouvez me féliciter. Je vide vraiment mon stash et ça, c'est super chouette. Voilà, cette fois-ci, j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai passé un excellent moment en votre compagnie. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce en l'air, laisser un commentaire. Surtout, dites-moi ce que vous pensez du pull pour Léandre. Design ou pas design, version adulte ou pas. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine créative. Et je vous dis à bientôt. Bon tricot. Thank you.